Salut à tous, c'est Sir Alex et on se retrouve pour un petit tutoriel de Group Manager. Donc là je viens de remarquer que le serveur avait planté, c'est pas grave. Donc on va démarrer tout de suite. Donc le lien de téléchargement je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Attendez, hop, voilà. Donc je vous mettrai dans la description de la vidéo. Ici je vais vous parler de la configuration et tout et tout. Donc moi c'est sur mon serveur hébergé. Donc voilà, alors Group Manager il est là. Donc normalement vous aurez dans le téléchargement ceci, vous le mettrez dans votre dossier plugins, vous redémarrerez votre serveur ou un reload et le dossier Group Manager va se créer. Hop, voilà. Donc bon, ici c'est un serveur donc il y a énormément de monde, donc nous on va en configurer que un. Le monde principal hein. Et pendant ce temps-là, je vais rallumer en vitesse le serveur. Hop. Non, c'est pas là. Voilà. Donc. World. Groupe. Afficher. Éditer. Donc je refais un puisque déjà ma chaîne a été hackée. La vidéo, je l'ai toujours, mais je me suis dit, bon, bah, tant en refaire une nouvelle. Là, mon micro devrait pas laguer comme dans la vidéo précédente. Est-ce que j'enregistre bien? Oui. Donc. Voilà, nous revoilà. Désolé pour la petite ellipse. Je n'ai rien fait de particulier. Donc, hop. Gérer mon serveur. Démarrer. Voilà, donc ici vous aurez le dossier de base qui sera celui-ci. Donc voilà. Nous on va changer tout. Donc ici défaut. Vous mettez ce que vous voulez, ce sera le grade par défaut. Donc quand les joueurs vont arriver pour la première fois, ils auront ce grade là. Donc il faut toujours que ça soit à 2 d'espace du côté. Donc 1, 2. Défaut ici, ne vous trompez pas entre les deux défauts là, c'est pour dire que ça sera quand les gens se connecteront, ça sera ce grade là, donc vous laissez trou. Permission, on fera ça plus tard. Inheritance, on fera ça plus tard aussi. Alors info, préfixe, vous allez mettre le préfixe, donc ça va être le nom qu'ils vont avoir sur le serveur. Donc moi je vais mettre visiteur, moi je laisse des espaces pour que ça fasse plus beau. Build. Ça veut dire, si vous laissez false, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas construire. Et true, ça veut dire qu'ils peuvent construire. Donc on va laisser false. Ensuite, builder. On va changer, enfin je vais changer en membre. Vous mettez ce que vous voulez. Donc vous pouvez mettre citoyen ou n'importe quoi. Ici, vous allez mettre, donc ici, défaut false. Donc là, c'était true, là c'est false. Permission. Donc on va commencer les permissions. Vous allez supprimer les crochets. Vous allez aller à la ligne. Vous allez aller contre le truc ici, donc contre le côté, et vous allez faire un tiret aligné au P, on va dire. Si je dis pas de bêtises, oui, voilà, aligné au P. Et vous allez écrire les permissions. Donc les permissions de essentiel, c'est toujours essentiel, point, et puis la commande. Et les autres permissions des plugins, si vous regardez quand vous configurez les plugins, donc ici on va mettre essentiel, point, spawn. Donc chaque fois que vous allez à la ligne, donc par exemple ici, hop, ça va être en rouge. En fait, il faut toujours aller sur le côté et revenir. Et entre les tirets, tirets, laissez un espace à chaque fois. Donc essentiel point back. Je mets n'importe quoi là, franchement. Essentiel point. Je sais pas, on va mettre pour tester broadcast. Voilà. Par contre, mes membres ont les commandes là. Modérateur, on va mettre. Bah, c'est bon, on va juste changer ici pour mettre en français. Modérateur, défaut, non. Ah oui, on va faire inhéritance. J'ai oublié, excusez-moi, on revient dans membre. Inhéritance, il y a défaut. Vous allez changer. En fait, l'inhéritance, ça permet de. Par exemple, les visiteurs, ça permet d'avoir un groupe, donc par exemple, membre,
défaut. Ah mais là, non, on va mettre visiteur. Ça va être donc ça dit que le membre a exactement a les commandes en plus des visiteurs. Donc il a celle-là plus celle des visiteurs pour pas à chaque fois remettre. Donc voilà. Et ça, ben, vous pouvez laisser celle dans le truc. Permission. On va laisser comme ça. De toute façon, les permissions, je vous ai montré une fois. Ben, après, vous pouvez le faire vous-même. Hein. C'est exactement les mêmes. Vous allez regarder, vous mettez les permissions. Je vous mettrai un endroit où il y a toutes les permissions. Donc ici, membre. Je vous mettrai un lien avec les permissions de essentiel et je vous montrerai tout à l'heure. Et ici, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, visiteur. Voilà. Alors, j'ai encore oublié, décidément, j'oublie plein de trucs. Membre, préfixe, vous mettez comme tout à l'heure, membre. Espace, espace, c'est pour que ça fasse plus joli, entre guillemets. Ici, ben, vous mettez modérateur ou modo, comme vous voulez. Mettez pas d'accent par contre, donc vous mettez pas comme ça, ou sinon ça va bugger. Donc vous mettez E. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse. Donc admin, bon, c'est le même partout, un hein, modérateur. Membre. Visiteur. Ici, bah, vous mettez admin. Hop, hop. Donc c'est toujours le même. Hein. Si les permissions, je les mets pas parce que j'en ai pas besoin. Voilà, enfin j'en ai pas besoin pour le moment. Alors ici, owner, ça sera le créateur. Donc on va mettre créateur. Créateur ici. Créateur. Hop. Voilà. Suffixe. En fait, suffixe, si vous voulez mettre un truc, j'ai oublié d'expliquer. Après, donc ça c'est avant le nom, donc qui va être marqué par exemple créateur Sir Alex, 2 points. Salut, oh, demande d'amis, excusez-moi. Et par contre, quand ça va être, et après, par exemple, il y aura créateur Sir Alex, 2 points, salut. Et après, par exemple, on va mettre ici, je sais pas, point, enfin, je sais pas, n'importe quoi, mais ça va l'afficher après le nom. Alors ici, ce petit truc-là, ça veut dire que le créateur a le droit à toutes les commandes. Donc ça veut dire que vous avez toutes les commandes du jeu. Donc, virgule, petite étoile, virgule, virgule, au-dessus, accent. Non, j'ai oublié comment ça s'appelait, pas grave. Donc, toujours un espace entre. Et ici, vanish, c'est pour la permission du vanish, enfin, ça, c'est autre chose. Donc, voilà pour le plugin de configuration. Donc, les permissions, je vais vous montrer où est-ce qu'on peut en avoir. Donc, vous enregistrez, oui. Excusez-moi, moi, ça lag un peu. Hein. C'est où? Non, c'est passé là. Ah, ça bug. Donc, on va retourner sur le serveur. Donc, là, c'est le serveur où je suis en train de configurer. Alors, je fais une petite pause pour faire mon login. Me revoilà. Voilà. Donc, j'ai fait mon login. Donc, comme vous pouvez le constater, ici, il n'y a pas de grade. Voilà. Donc, là, je n'ai pas de grade. Attendez, je vais me mettre en ne pas déranger parce que sinon. Ça va pas le faire. Ok. Voilà. Donc. J'en étais où? Donc on en était là. Donc configuration, on ira après. Global Group. Donc c'était là que je voulais vous montrer où il y a toutes les permissions que vous pouvez copier-coller dans le dossier. Toujours regarder les espaces. Pas faire de fautes entre les espaces. Pas mettre d'accent. Donc de A avec accent, de E, de. Donc là, ça vous évitez. Enfin, vous mettez pas. C'est pas vous évitez, c'est. Vous n'en mettez pas, c'est interdit. Donc ici, j'ai retiré des grades spécialement pour la vidéo. Donc je vais essayer d'aller assez vite parce que il y avait 17 personnes avant. Et maintenant, il n'y en a plus personne. Donc voilà. Ici, vous avez groupe admin. Donc ça vous met déjà quelques permissions que vous pouvez. Donc c'est des permissions de groupe manager pour les admins. Donc groupe manager, admin. Donc vous les copiez-collez, vous les mettez. Ensuite il y a bucket modérateur, donc bucket.command, ça vous pouvez aussi les mettre, donc ça c'est pour les modérateurs. Il y a les défauts,
Il y a, enfin, vous avez tout. Il y a les admins encore pour Bucket. Après, les défauts, les builds, donc les membres. Vous pouvez copier-coller. Donc là, il y a déjà un paquet de trucs. Ici, permission pour les modérateurs sur Essentiel. Voilà, admin. Enfin, voilà, vous avez plein de commandes, de permissions déjà. Ici, vous avez qu'à copier-coller. Ensuite, donc configuration. Donc ici, on va faire un reload pour voir si les grades fonctionnent déjà, parce que s'ils fonctionnent pas, ça serait un peu. Oula, merde, désolé. J'ai des lags internet. Alors, bon, je fais encore une petite pause pour faire mon login. Je reviens. Donc, me revoilà. Alors, on va faire un reload. Ah ben, j'ai encore fait mon login, donc je repars. Désolé, franchement, là, l'histoire de login. Allez. Voilà, me revoilà. Donc là, le reload, il est en train de se faire. J'espère que je vais pas crash ou un truc dans le genre. Donc là, le. Ils sont en train de rager là. Hein. Il rage à fond. Je suis même pas hop. Bon, ben là, le reload. Ah, voilà, oula. Donc. Voilà, donc là vous avez vu que tout le monde a été passé visiteur, même moi je pense. Donc on va regarder ça de suite. Donc ça veut dire que on a été passé visiteur. Et je ne peux pas écrire. Donc voilà, bah, par exemple Augustin a parlé, visiteur Augustin. Donc vous pouvez mettre d'autres couleurs, je vous mettrai la liste des couleurs dans la description. Ensuite, slash man. Alors pour passer quelqu'un un autre grade, vous faites slash man promote. Son pseudo, donc moi ça va être Sir Alex, et le nom du grade qu'on a configuré. Donc ici on avait mis créateur, et là voilà créateur Sir Alex 2.s. Donc voilà, alors après par exemple je vais changer de monde, je vais aller dans le slash warp ressources. Il y aura, par contre il n'y aura plus les grades, alors, et on va régler ça. Donc par exemple ici je serai ben rien, il n'y aura pas les grades. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas configuré. Oh, excusez-moi, j'ai des gros lags. Donc, ben, en attendant, ma chaîne, comme vous aurez pu le voir, a été hackée il n'y a pas longtemps. J'ai essayé de remettre un max de vidéos. Donc, un Mexicain en survie, je vais la refaire. Donc, j'ai tout supprimé. Parce que ben, ça sert à plus rien que je la fasse, puisque j'ai perdu deux vidéos et. Et les autres, bah, elles ne veulent pas s'uploader parce que ça me dit erreur, enfin bref, fichier invalide. Donc, la Mexique en survie, je vais le refaire. Retour aux sources, c'est mis. J'ai mis plein d'autres vidéos et j'essaierai d'en mettre encore des autres qui. Voilà, donc, pour le moment, là, je vous refais la vidéo de groupe manager. Et voilà, je reviens. Voilà, nous revoilà, désolé, je vous ai quitté en disant vite fait je reviens, mais en fait j'ai eu beaucoup de mal à me reconnecter. Donc voilà, le petit test, donc ici par exemple, dans le ressource, donc ici on est dans le ressource, il n'y a plus de grade, donc voilà, Sir Alex, il n'y a pas de grade. Donc pour changer ça, on va aller dans configuration, afficher, éditer, enfin c'est pour moi, hein, vous l'ouvrez avec Edit Notepad plus ou autre chose, mais pas en l'ouvrant normalement. Donc il faut un programme spécial. J'essaierai de vous mettre le lien de téléchargement de Edit Notepad plus dans la description de la vidéo. Alors, donc, comment faire? Un endroit est marqué Mirror. C'est simple. Ici, par exemple, il est marqué que World. Donc ça veut dire que le World. Non, ça veut dire que, donc, par exemple, World Land, donc Land, a les mêmes grades que World. Et le monde Nether a les mêmes grades que et les mêmes grades et les mêmes utilisateurs que dans le monde. Pour en rajouter un, c'est simple. Donc vous faites comme tout à l'heure, on va à la ligne, on va jusqu'au bout. Vous rajoutez le nom de votre monde. Donc ici c'est ressources, deux points. Ça va se mettre en bleu à la ligne. Et vous pouvez copier-coller ceux-là. Hop. Bon là j'ai fait CTRL. C pour copier, CTRLV pour coller, enfin je vais le faire, voilà. Voilà, ressources, deux points, et vous faites enregistrer. Et vous pouvez en mettre plein, et aussi vous pouvez mettre par exemple. Donc c'est là que vous pouvez faire différents trucs avec différents grades. Donc voilà. Et là je bug à fond internet.
Donc bah, je pense que j'ai terminé pour ce petit tuto, donc vraiment un tout petit tuto. Bon, au passage je vais vous montrer ma chaîne. Donc là j'ai uploadé 9, 8, 10 vidéos. Donc j'en ai perdu énormément. Celle-là elle va être supprimée, donc il en restera 9. Donc je vous propose aussi d'aller faire un tour sur mes petits amis youtubeurs, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, donc oh, j'ai 80, donc voilà, j'ai 80 abonnés, donc voilà. Et j'ai oublié de faire la vidéo de mes 1 an de ma chaîne aussi, donc enfin pour une joli anniversaire j'ai été hacké, mais c'est pas trop grave. Donc voilà, ben je vous invite à aller faire un tour sur ma chaîne et à revisionner les vidéos, même pas les revisionner, vous cliquez dessus, vous mettez un j'aime pour parce que là ben elles sont revenues tout à zéro, donc celle-là elle avait 100 vues, celle-là elle avait 1500 vues, donc et là, elle a 4 vues, donc c'est différent. Donc voilà, les apprentis alchimistes, c'est la pochette des 100 vues. Bon, c'est un petit peu dégoûté, enfin, je suis un petit peu dégoûté, mais c'est pas grave. Enfin, on va essayer de remonter ça. Donc voilà. Donc ben, pour les grades, là, je bug à fond internet, donc je peux pas vous montrer. Donc après, vous faites un reload et ça sera bon. Donc je vous mets tout dans la description, les codes couleurs, les permissions essentielles, le lien du téléchargement pour le plugins et plein d'autres. Et je vous dis bye bye, salut à tous.